va chercher un tabouret pour mettre dans le salon. On a eu un appel ce matin, il est arrivé. J'ai trop hâte de le voir. En vrai, on l'a acheté, mais on sait même pas si c'est beau. Hein. Ouais, je sais pas du tout. Il fait chaud. En plus, j'ai une petite allergie là à l'œil, une petite plaque. Bon, ça arrive. C'est dans ce magasin là. Je trouve que honnêtement, c'est un magasin trop inspirant. Il pèse 25 kilos. Hein. Il est énorme. En plus, c'est encombrant. Heureusement, on s'est garé dans un parking tout près. On a rajouté de la chantilly. Nickel. J'espère que la couleur elle est belle. Je pensais pas que ça allait être gris comme ça. Je pensais que ça allait être plus beige. Moi, je savais que c'était du béton. Ouais, je sais. Ça change un peu, je trouve, non? Je sais pas. J'ai hâte que tu l'ouvres et que je te dise. Ouais, donc il est bien gris. 1, 2, 3. On a installé un petit truc dessus. Par la suite, il va avoir une... Bah, si il fait sa petite photo. Une lampe. On va le faire en DIY, d'ailleurs, la lampe. Ça cache derrière la prise. Parce que c'est vrai que c'était vide, hein, là-bas. Le patio, il commence à être blanc. Bon, là, c'est la première couche. C'est long. En fait, on dirait pas, mais c'est quand même grand. Il y a plein de murs partout, en vrai. C'est pas une pièce 4 murs. Regardez ce qu'il reste à faire. Donc, là, extérieur. La cage d'escalier à faire aussi. Avec là, les ça murs. Va être deux murs aussi. Maintenant qu'on a acheté la lampe, il nous manquait... J'arrivais pas à trouver le mot. Moi j'aime bien ça pour mon bureau. Ça suit en plus avec ton... Là c'est un peu plus clair, c'est ça? Ouais, un peu plus clair. Là. Un peu plus foncé. Non, celui c'est mieux je crois. Il y a du blanc choc ou du blanc pur? Oui, celui-là il est plus clair, j'ai l'impression. Je le vois quand même. Moi j'aime bien ça vraiment. Et le prix c'est 4,50 si jamais ça vous intéresse. On a préparé vraiment de quoi les faire. On a une chacun du coup. Hop, je vais faire la verte et moi la blanche. Ou l'inverse, ouais. Mais moi je dois aussi repeindre le pied. Sinon le pied il va être blanc. Ouais, parce que moi ça va, comme je fais du blanc, le pied il est déjà blanc. C'est déjà nickel. On dirait trop un truc pour mettre les gâteaux en vrai. Ça va faire. On fait mais que l'extérieur, comme ça je vais pouvoir faire à l'intérieur après. On rajoute un peu de scotch, comme ça on est sûr que c'est fixé. Puis rien, notre petit frigo pourri. Et on va bientôt changer, ça va aller. Donc là pour l'instant ça donne ça. On a chacun de l'autre. Ça va aller. Ça va aller. J'ai bien nettoyé là. Il y avait une étiquette, du coup il y a dû frotter avec ça là. Ça c'est le top pour les étiquettes. Et on a dû aussi emballer la prise parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du kaki dessus. Donc voilà, on a oublié. Parce que ça on a oublié la colle. Tu es dans la maison et sa foi elle a déjà fait du carnage, regardez. Regardez, j'ai fait des points, ça craint. Je fais vraiment bordel. Mais moi j'ai pas l'habitude de faire ça. Toi t'aimais bien faire des dessins avant. Tiens, vas-y, je vais essayer. J'ai trop hâte de voir le résultat. Ça change un peu, je pense que ça va être bien dans ton thème, dans ton bureau, avec une petite plante et tout. Poulain. Trop envie de le faire. Ouais, j'aime trop, ça m'éclate. Du coup on doit faire aussi. Pas trop près, pas trop près. Par contre, t'as vu, ça fait des petits. Bah ouais, c'est parce que t'es hyper près. Ah bon? Et c'est pas facile, hein, sérieux, on rigole, mais... C'est un job, hein. Ouais, je te laisse faire en dessous. Allez. Oula, bébé, tu me fais peur, là. Oh non. Il y a des moustiques partout. Deux jours plus tard, ça donne ça. Du coup, là, on va pouvoir tout enlever. J'ai trop hâte de voir si ça a fonctionné, si ça va pas faire des traces et tout quand on va allumer. T'as vraiment que c'est aussi beau que en vidéo, tu vois. Ouais, moi aussi. Ah, j'avais chargé. On va mettre son chapeau. Alors, ça fait bien ou pas? Ça rend trop, trop bien comme ça. Et on a acheté ça pour mettre en haut. Et ça sera tout bon, on pourra ensuite aller l'allumer et voir si on voit pas les points. Ça, c'est moins sûr. Allez, joli. Oh, putain, qu'est-ce qu'il y a? Il est cassé? Enfin, pas cassé, mais un peu rayé, tu vois. Ah. Il est brillant comme on l'a pas repassé, là c'est mat. Ah merde. Mais c'est pas grave. C'est vrai. Apparemment, Bast, il dit que ça prend en 2-2. Avec celle-ci, il n'y a même pas pu vraiment la positionner, mais ça va. Mais tu vois, genre là, elle est déjà prise. C'est pas grave, c'est bien. Et voilà ce que ça donne. Honnêtement, c'est super joli. Il y a quand même des petits points, je vais pas vous mentir. Et sincèrement, je trouve qu'en vrai, c'est pas choquant. Surtout que maintenant, c'est la mode aussi des petites lampes avec des points. Souvent, ils mettent du noir, justement, avec du gris et du blanc. Donc là, moi, ça me va bien. Elle est jolie. Ouais, ou ils font un effet tu sais, avec le bicarbonate, là. Un effet structuré. Celui-ci, le 4, Bastien bien. Et je vois plus rien, on dirait que j'ai regardé le soleil. Est-ce qu'on prend couleur jaune ou couleur blanc? Jaune, ça fait plus... Non, ambiance. Vas-y, ben on prend jaune. Il a 49€ et j'ai l'impression que c'est bien aimé parce qu'il y en aura plus tant que ça. Et au final, on va quand même prendre celui de 3 pour mettre dans le tout petit dressing en bas dans notre chambre. Peut-être qu'on le mettra aussi dans le patio ou dans le grand dressing. En fait, on hésite entre 3 places, mais on se dit que... En fait, il est joli, donc en plus, il coûte que 29€. Il y a déjà les lampes intégrées, c'est nickel et c'est blanc, c'est parfait. La rêve c'est ça si jamais. On a pris aussi 2 paires de lampes là, comme ça, total ça fait 91€. On va pouvoir l'installer.
Il y a de l'orage comme par hasard, il fait noir quand on filme. C'est nul. En vrai, Bast, tu l'avais trouvé, je vous le dis quand même, il était beaucoup plus cher. Alors en fait, celui que je vais vous la mettre en photo, mais il y en avait un en moins, du coup ça faisait moins... Ouais, moins structuré, ouais. Voilà, on va le mettre ici. Faire comme ça. Allez, c'est parti. Ça fout le Saint-Dieuze. On va le mettre ici, c'est parti, Babou. C'est parti, Babou, t'as ton échelle? Let's go. Est-ce que tu veux que je te le ramène? Oh, j'attends que ça se fasse. Vas-y bébé, allume. Ça fait un peu ambiance, j'ai hâte de voir le canapé posé en dessous. En fait, ça démarque bien la pièce, j'arrive pas à parler, vous voyez, c'est pas grave. Celle-ci et celle-ci, on va les rassembler. Et on va mettre des spots, je pense. Bast, dans le hall, il va mettre son bureau. Du coup, on était à la recherche. On a hésité entre deux trucs. T'as hésité entre deux trucs parce que c'est quand même le tien. Ouais, bah, j'aime bien quand même. Ouais, moi, je vais pouvoir me mettre aussi dessus de temps en temps. Et celui-ci, ce qui est bien, c'est que là, il peut quand même tirer. On avait vu celui-là. Il est trop marrant, c'est un petit tabouret. Tu vois, tu peux bien te pencher et tout. Trop bien, je vous fais la démo. L'avantage, c'est que tu as le tiroir en gros pour ranger tes petites affaires. Mais ça fait très bureau. Mais ça fait, ouais, ça fait moins de 10 ans. Que là, ah, on va être sous la pluie. Ouais, ah, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est de là, je pense, c'est très bien. As-tu vendu On passe notre vieille Ikea en ce moment. Ouais, la rêve, c'est ça. Il l'a aussi en noir si vous préférez. Après, ça dépend le style que vous avez à la maison. Email ou SMS, tu préfères quoi? C'est trop cool, genre c'est une lampe, tu peux choisir la pique que tu veux. Oui. Et là en dessous, t'as une enceinte. Ouais. Moi je préfère tout blanc. Ça, ouais, après c'est les styles de chacun, mais c'est vrai que moi c'est moins mon style. Ah ouais. Ah, celle-là elle s'allume pas. C'est une lampe ou c'est pas une lampe? Je sais pas. On a tout récupéré, let's go, j'espère qu'il pleut plus. On vient à peine de rentrer, on va tout essayer de monter. Rectification, moi je m'installe tranquillou. Je me suis mis en pyjama, j'ai été me démaquiller. Et puis moi j'ai plus qu'à regarder. Une vraie blondeuse, voilà. Ça te qualifie bien. Bon, mais oh, allez, travaille bien. Oui, mon capitaine. C'est quoi la chanson, les paroles de... Je dis oui, mon capitaine, nanana, nanana, nanana. C'est Jaja Dinaz. Jaja Dinaz, ouais, putain, comment j'ai pu l'oublier. Je crois que c'est mon capitaine. Putain, j'aimerais bien y voir Jaja Dinaz en concert, même chose. Ça y est, on est le lendemain, c'est fini, c'est installé. On aurait bien aimé en gros que ici, vous voyez, genre ça soit un peu plus arrondi. Mais bon, après ça c'est vraiment esthétique. Heureusement, par contre, qu'on a pris un tabouret. Comme ça, ça permet d'avoir du recul, ça résonne encore bien. Là ici, bah, si vous mettez, vous savez, un petit pouf, genre beige ou quoi. Si tu veux bien un petit livre et tout, c'est vrai que c'est un petit espace assez ouvert, assez lumineux. Et en plus... ici, il s'est fait une petite bibliothèque. Et là, il n'y a rien rangé encore, mais il y aura tous ses documents. Ce qui est génial, c'est qu'elle ne dépasse pas, vous voyez, du mur. Ça ne casse pas la hauteur. Et juste ici, du coup, t'as l'escalier. Il va falloir qu'il mette un peu de déco, une lampe. Il m'avait dit quoi d'autre? Une plante aussi, peut-être. Juste, faut pas qu'elle tombe. Ça serait mieux, hein. Et par la suite, là, on mettra un Mac. C'est un iMac. Enfin bref, un gros ordinateur, je pense qu'on le prendra en gris ou peut-être en vert, aucune idée pour l'instant. En ce moment ils font des travaux, c'est horrible, juste là derrière. J'ai une bonne nouvelle, ça y est, maintenant on va commander notre dressing, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. T'es content Bast? Ouais. Là nos affaires pour l'instant ils sont dans des cartons, je vais vous montrer là. Ouais. Quand tu veux chercher un truc dans un carton, on c'est juste pas possible. Petite étagère, mais ça reste petit quand même. Ouais, du coup, on alterne, on prend genre 5 pantalons, 5 shorts, 5 de tout. Et hop, à chaque fois, on change dès qu'on fait une lessive. De base, on voulait la même chose, vous savez, des deux côtés. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la longueur ici... il manque 1 cm. Voilà, exactement. Donc ça veut dire que là, je vais devoir découper un petit peu. Pour l'instant, on est parti sur ce délire-là. On a quand même 9 tiroirs. Pour l'instant, c'est ça. C'est pas pour l'instant, c'est ça. Ici, on pourra mettre, vous savez, les sacs. Là, on a de quoi mettre les bijoux. Tes sacs. Là, les pantalons, les robes, les manteaux. Enfin, ou l'inverse plutôt. Les petits hauts, vu que moi, ils sont très très fins. En plus, ça, c'est le premier dressing. C'est celui qui va être dans la pièce dressing, un peu dans la chambre d'amis. Il va être dans cette pièce-là, tout au fond. Parce que regardez, en ce moment... ça ressemble à ça notre dressing, c'est plus possible. Ça sera beaucoup mieux, j'ai trop hâte. Sachant que dans notre chambre qui est en bas, on va également avoir des rangements. On va se faire... Oui, il y a une grande armoire quand même. Ouais. Oui, je vais mettre une bonne armoire. Avec toute la longueur du mur. Et on a aussi un petit dressing, mais on va mettre un miroir au fond du mini dressing. Ouais, je vous avais déjà montré. Ça fera plus un espace...
En mode pour pouvoir te regarder un petit peu, avec des petits spots. Il faut qu'on trouve la commode adaptée, encore une fois. Parce que c'est vraiment la dimension de merde. Ouais, c'est jamais adapté. Genre là, c'est pas adapté, il va falloir l'adapter. C'est ça. Bon. Et on en a pour 946 euros. Honnêtement, je pensais qu'on allait dépasser les 1000 balles, mais finalement, bon, c'est déjà ça. Ça reste honnête. Comment, bébé? Et sérieux, on le reçoit pas. Donc on prend les compartiments clairs aussi. Ah, du coup, t'as pris les compartiments gris, ceux qui proposent en fait. On les prend ou... Ouais, prends-les. En vrai, prends-les comme ça, on est tranquille. Attends, je vais aller voir sur Amazon. Ouais, parce qu'on en a vu sur Amazon ou AliExpress. Amazon ou AliExpress en beige, mais il faut voir si, vous savez, les compartiments, ils matchent. C'est pour les rangements de montres, enfin, tu peux mettre un petit peu tout, les lunettes. Moi, j'aimerais bien les utiliser aussi pour les bijoux, surtout. Vous voyez, c'est ça. Ouais. Bon. Là, ça fait très lunettes. Ouais, mais dans le délire, quoi. Là, ouais, là, ça fait très bijoux. Ouais, à la rigueur. Ouais, est-ce qu'ils vont être vraiment adaptés? C'est ça. Bah, c'est ça. Le problème, c'est ça, ouais. Là, il y en a des autres un peu beige. Bah, j'aime bien la couleur, mais bon, j'ai trop peur que ça ne matche pas. On va sur les classiques. Ouais, classiques. Est-ce qu'on peut leur montrer au moins en vidéo? Vous voyez, la couleur, elle est comme ça. Bon, honnêtement, ça reste clair, c'est sympa. C'est bien pour les ceintures. C'est pas mal, hein. C'est bon. Oh, génial. Allez, on part sur ça.